Prochain combat en moins de 70, 300. Quentin Arola. 69-9. Quentin Domergue. 70. Quentin Arola, on sait que c'est une revanche pour toi. Comment tu prévois le combat demain? Bah, il aura pas deux fois de la chance. Qu'est-ce que tu prédis demain? Moi, je souhaite bonne chance parce qu'il va en avoir besoin demain. Merci, messieurs. Combat prévu dans la catégorie des poids légers. L'homme qui se présente sous vos yeux, c'est Quentin Arola. Il a débuté les sports de combat par le JJB, le Jiu-Jitsu brésilien. C'était il y a 18 ans, chez Aranha, avec Eric Sadje et Yann Cabral, des références dans le milieu. Et dans cette discipline, eh bien, il a obtenu des résultats probants en France et en Europe. En parallèle, il a toujours été passionné par le MMA. Depuis l'adolescence, pour vous dire, il a suivi avec assiduité le Pride, l'UFC, à ses grands débuts. Et c'est donc dans ce contexte qu'il s'est lancé. À l'époque, le MMA était interdit. Donc il a fait ses premiers pas en pancrace, c'est-à-dire une version plus aseptisée du MMA, où il n'y a pas les frappes au sol. Et c'est vrai que le sol, c'est un petit peu sa spécialité, donc c'est un style qui pouvait un peu l'avantager. Et ensuite, quand il est passé au MMA, eh bien, le fait de ne pas s'entraîner en striking lui a joué des tours, donc il a décidé de s'y mettre sérieusement. Alors il faut savoir hein, que Quentin préparait une autre échéance initialement au Hexagone MMA, c'était à 66 kg. Et ce combat a été annulé. Donc là, il est déjà à 14 semaines d'entraînement. Parce qu'il devait faire ce combat-là en début de mois, si ma mémoire est bonne. Et donc il a dû prolonger sa préparation d'un mois. C'est une énorme préparation à laquelle il vient de vivre. Et il était forcément déjà au poids, parce que le combat aujourd'hui est prévu dans la catégorie supérieure. Ce qui peut être un avantage pour son adversaire, hein, disons-le clairement. Quentin Arola qui est aussi à la tête d'une grosse écurie très bien classée au niveau national. D'ailleurs, il a quelques amateurs qu'il faudra surveiller de très près en pro, notamment Owen Jason, Liam Brugère, Charles Favré, Nessim Ketou. Et c'est le club qui a le plus grand nombre de gradés. L'année prochaine, il devrait d'ailleurs entamer un nouveau chapitre dans le développement de son club, puisqu'il aura une toute nouvelle infrastructure sur Toulouse. N'hésitez pas à aller vous inscrire si vous êtes dans le coin. Vous l'avez entendu lors de la pesée, il s'agit d'une revanche puisque ces deux hommes se sont déjà rencontrés l'an passé. Pour Quentin, il s'agissait de sa toute première victoire en professionnel. Lui qui n'avait pas combattu depuis 4 ans, il a réussi à renouer avec la victoire de la plus belle des manières, avec un TKO au deuxième round. Un combat que son adversaire a probablement eu en travers de la gorge. Mais l'avantage des défaites, c'est qu'elles vous amènent à la remise en question. Et qu'il y a parfois des vertus dans l'échec. Il vaut mieux se poser les bonnes questions trop tôt que trop tard en général. Et ça amène à des prises de conscience. Et par exemple, après ce combat, Quentin Arola a compris que s'il voulait avoir des résultats à la hauteur de ses attentes, eh bien, il fallait s'y consacrer pleinement. Ce qui n'était pas le cas avant. Et il me disait donc en interview que ce qui lui avait fait défaut, c'était son manque de lucidité lié à sa condition physique. Donc il a tenté en tout cas d'aller plus loin cette fois-ci dans la condition physique. Grosse prépa, c'est ce qu'on disait, 14 semaines, c'est énorme. Alors après, la condition physique qu'il avait lors de leur premier combat au MMA GP du Havre, on l'explique aussi parce qu'il avait été appelé en short notice de mémoire. Forcément, il n'avait pas eu le temps de bien se préparer non plus. Donc
Là, il a redoublé d'efforts pour faire face à Quentin Domergue. Et alors, Quentin Domergue, c'est typiquement le type de profil qu'il ne faut pas juger à son palmarès. Car certes, le bilan est négatif, puisqu'il n'a qu'une victoire pour 4 défaites. Mais pour sa défense, on ne lui a pas fait de cadeau au niveau du matchmaking. En face, on lui a mis des gros lutteurs comme Ramzat Zimaev. On lui a mis Nicolas Di Franco, le Belge. Ou encore le talentueux Mathieu Morciano. Mathieu Morciano qui est le détenteur du titre du HFC de mémoire. Et donc, il s'entraîne ce soir aux côtés de Jean-Michel Foissart. Mesdames et messieurs, vous êtes priés pour ce combat des 70 kilos. C'est une question de revanche. D'un autre côté, un Toulousain, de l'autre un Marseillais. Nous sommes à Montpellier. Faites donc votre choix. Mais quel que soit votre choix, Arnaud, je rentre du bruit. Dans le coin de spécialiste du jiu-jitsu brésilien, il est l'origine de Toulouse, bien décidé à faire vibrer l'octogone. Ici, le tactique de la team, Team de France à la main, make some noise pour montrer qu'il s'agissait juste d'une erreur de parcours et qu'on ne peut pas gagner face à quelqu'un qui n'abandonne jamais. De l'autre, on aura un Quentin Domergue qui aura à cœur de confirmer son autorité. A-t-il appris de son dernier combat, Quentin Orola? S'est-il remis de ce TKO? Parce que c'est quelque chose qui peut marquer. La réponse tout de suite. Donc Orola, le Toulousain. Et regardez, tout de suite on va au sol. Qui on est dans le jardin. Au sol, directement. On est dans le jardin. Sur son élément. Et il est chez lui là. Demi-garde. Il est chez lui. Et on va avoir une fin de combat qui sera à la fois soit héroïque, soit dramatique pour Quentin Orlin, parce que c'est important quand même de souligner le courage d'aller se confronter à ces démons. Tout le monde n'est pas capable d'aller chercher une revanche. Et rien que pour ça, c'est un bel exemple pour les jeunes de son club. Là, en tout cas, il veut rester dans son domaine de prédilection. C'est le thème de la soirée pour l'instant, la demi-garde. Hein. On voit ça, c'est vrai, il y en a beaucoup ce soir. Hein. Ouais, ouais. Mais il faut très fréquemment quand on arrive au sol, c'est les amener au sol qui sont pas forcément. Enfin, ça dénote peut-être un petit problème de transition justement quand on ramène au sol. Après, la demi-garde est franchement puissante en MMA. Mais il faut frapper. Là, on n'est pas dans un combat de grappling. Il faut développer. Voilà, superbe, il le ramène au sol encore. Très bien des deux côtés. Il s'est fait contrer. On a une Kimura en défense là. C'est du pur MMA. Ça, c'est vraiment des positions qu'on voit nulle part ailleurs dans aucun autre sport de combat. Superbe. Regardez, il reprend l'ascendant contre un Rola. Alors, il s'est remis dans une position inférieure. Il est dans la garde. Tout est possible à partir de là. Ça travaille bien, les coups de coude d'en bas. Ouais. En dessous. Alors, que prévoit-il? Va-t-il tenter un triangle, une jujigatame, la garde est fermée. Une rubber garde, que peut-il faire? Il est en train de fermer sa garde. Oh, le coup de coude! C'est violent. C'est-à-dire qu'il montre qu'il est actif même quand il a les épaules au sol. Et à la limite, ça peut créer des ouvertures hein, au sens propre comme au sens figuré, les coups de coude. C'est lui qui est le plus actif, hein, qui fait le plus de dégâts pour l'instant. Même s'il a le dos au sol. Et
contre le grillage. Donc il va peut-être tenter de se relever, à moins qu'il continue à travailler pour l'instant. Ouais, j'ai l'impression qu'il aime bien quand même rester au sol. Il a peut-être plus intérêt à rester au sol que de rester debout. Il attend, ouais, c'est ça, il attend de contrer pour capitaliser. Ah, le problème, c'est que le sol avec les frappes, ce n'est pas tout à fait le même sol. Donc est-ce qu'il va réussir à être lucide? Allez, ça se relève. Quentin Domergue veut que ça se relève. Et il est puissant, Domergue. Hein. On le sent, il a perdu beaucoup de poids, Quentin Arola. Domergue qui a l'avantage de la puissance, du gabarit. Allez, on a... Oui, très beau le takedown. On a une tactique qui est plutôt claire hein, de la part de Quentin Arola. Il ne veut pas reproduire l'erreur du premier combat. Il ne veut pas rester debout. Donc il va le prendre sur son timing en contre-attaque. Et il l'amène dans son jeu. Et ça prend le dos. Voilà. Là, c'est un crochet. Alors là, le dos, c'est cadeau hein, pour Quentin Arola, qui reprend la demi-garde. Belle adaptation de Domergue qui tente de s'échapper. Ah là, il va falloir qu'il se mette sur le côté, qu'il sorte ses hanches, Quentin Domergue. Et c'est bien, hein, Quentin Arola, là, il profite de cette position solide pour donner quelques frappes. Même si elles ne sont pas impactantes plus que ça, eh bien, il travaille pour ne pas se faire relever. Ah, il faut continuer de frapper, continuer de travailler. Et contrôle, il fatigue l'adversaire aussi. Ah oui, alors ça c'est très énergivore, particulièrement quand on est bon en striking. On y perd des plumes au sol. Et c'est ça qui est le plus dur finalement dans le MMA, hein. Passer d'un univers à l'autre, c'est ce qui vous prend le plus d'énergie. Et forcément l'énergie est liée au mental. Il est en train de prendre très clairement le premier round. Là. En tout cas. Ah bah, tactiquement, c'est ce qu'il faut faire en fait. Hein. Alors vis-à-vis du public, comme il ne frappe pas, c'est pas forcément ce qui est le plus télégénique, mais c'est ce qui fonctionne au niveau tactique et il a bien raison. C'est ça, et puis ça peut faire douter surtout son adversaire qui peut faire des erreurs même debout exactement. De peur d'aller au sol. Un striker qui a peur d'aller au sol, ça change complètement la physionomie de son striking. Il est beaucoup moins agressif, il va prendre moins de risques, et donc ça c'est cadeau pour Quentin Arola. D'ailleurs, l'attitude des deux à la minute de repos, elle en dit long d'ailleurs. Avec Arola qui reste debout. Assumer pour ce deuxième round, ne pas faiblir ni dans l'attitude ni physiquement. Arola qui arrive très très confiant. Ah ouais, là il nous a fait Yamakasi pour un superbe, pour une amenée très maîtrisée mais bien défendue. Hein. Oh attention, il s'est fâché à Quentin Domergue, il te parle de la poudre et ça recommence. Ça tape dur mais il arrive. Il se retrouve dans la demi-garde. Oh, il a une force de frappe, Quentin Domergue. Les coups qui sortent. On sent, il a été touché dans son orgueil. Attention à pas laisser trop de jus là par contre, parce qu'on n'est qu'à aux 30 premières secondes d'un round qui est en coup de 5 contre 5. Et Arola se trouve dans son élément encore sur le dos. Tant qu'il est là, j'ai envie de dire qu'il ne craint rien parce qu'il sait contrôler le combat. Mais attention parce que les coups de coude commencent à devenir de plus en plus puissants, les coups de poing. On sent qu'il a réveillé le démon qui est en Quentin Domergue. Il est obligé d'accélérer Domergue désormais parce que le premier round est pour Arola. Qui a été beaucoup plus démonstratif et efficace.
C'est lui qui est sur le dos, mais pour l'instant, ça ne vous travaille plus. C'est bien. Ouais, les coups de coude, et même en frappe, c'est très très bien. Par contre, on ne peut pas me dire que quand un homme, il y a le cuir solide, hein, parce qu'il a pris 2 ou 3 coups de coude et il n'y a pas de marque. Pas de marque au visage. Je te le disais tout à l'heure, on n'est pas égaux face aux marques et à la blessure. C'est bien. En fonction des os que des coups de coude, il y a une grosse différence. Ouais, des différences de densité. Ouais. Attention, les frappes lourdes de Quentin Domergue. Ça s'accélère du côté du Marseillais qui lance son orgueil là, qui ne veut plus laisser passer l'opportunité, tentative de Kebra de la part de Quentin, voilà, ça part un homoplata contrôle latéral et à l'image du premier round, bah déjà très bien ça. Il travaille d'abord dans la garde, ensuite il renverse et il finit par prendre le round largement. Alors largement, je ne sais pas, c'est un peu plus disputé, il a quand même pris des frappes fortes là. Oui, pour l'instant, c'est vrai. Mais dans le premier round, en tout cas, c'était assez marqué. C'est indiscutable. Ouais. Et là, ça y est, ça commence. Ça peut s'inverser. Oui, voilà, il a pris le dos, la pression sur les lombaires de Domergue, le contrôle. Et la fatigue s'accumule. Il a placé le triangle des jambes, c'est cadenassé. Domergue va avoir du mal à se sortir de là, parce que tourner dans un triangle de jambes, ce n'est jamais facile, d'autant plus qu'il est robuste. Quentin Domergue. Là, il est en train de défendre Quentin Domergue. Et regardez, frappe de talon. Tout est bon. Permet de, tout de est bon déverrouiller. Pour frapper. Il a bien raison. Et effectivement, ah, il passe d'une position à l'autre. C'est l'enfer. Là, on reverrouille. Ah, il est en train de lui faire vivre l'enfer au sol. Regardez les frappes encore. Les frappes viennent de derrière. Ah là, passe près du TKO là. Voilà. Accélération. Ah là, on est sur une. Là, il reste encore 1 minute 30. Alors c'est soit. Voilà, soit un étranglement. Voilà, je crois que ça peut passer. Là c'est passé. Ça peut passer. Ça peut passer, mais il est dur au mal, Quentin Domergue. Ouais. Là c'est quand même très engagé. Hein. C'est très très bien engagé, mais il a le coup solide. Hein. Il y a des gens qui tapent bien, mais. Hein. Quel mental en tout cas, Quentin Domergue. Un combat rondement mené là pour Quentin Rolla qui est beaucoup plus tactique. Il n'a rien à gagner au striking, il l'a bien compris sur le premier combat. Et c'est lui qui impose son ton et son style à l'adversaire. Et ça c'est le propre du gagnant. C'est celui qui impose son rythme et son style. Alors, le deuxième round est dans la poche et. Ouais là ça y est, il est en train de faire la différence. Alors ça manque un petit peu de frappe, mais il est haut en même temps au niveau de son positionnement. Donc le problème c'est que quand on frappe, on crée aussi des ouvertures. Et c'est ça qui est compliqué en MMA. C'est pour ça que très souvent on se retrouve avec des combats où les combattants contrôlent. Parce qu'ils veulent être sûrs de ne surtout pas perdre cette position en donnant des coups. Ça rend un peu frileux, trop prudent. Ouais. Allez, on se dirige vers la fin de ce deuxième round, rondement mené par Quentin Arola. Ouais, physiquement contre, ça devient dur. Hein. Là c'est Arola qui a laissé quelques plumes en énergie là. C'est plus la même configuration que le round précédent, donc on peut avoir une surprise en troisième. On peut parce que comme je te disais tout à l'heure, la fatigue, c'est vraiment le pire ennemi du combattant. C'est ça, et je pense qu'au niveau de la confiance. Et surtout que le premier TKO lors de leur premier combat était intervenu dans un moment où il manquait de lucidité. Donc là il pourrait le rappeler à ses vieux démons. Donc attention. C'est ça. Domergue a survécu les deux premiers rounds, donc il a pas tapé ni quoi que ce soit. Je pense qu'il est rassuré à ce niveau-là. Ah, il a le cou solide, le menton solide, et c'est quelqu'un de dur au mal, qui peut être désespérant par contre, hein, pour les adversaires. Ah oui, alors là, il est en recherche d'oxygène, là.
C'est un round très très intéressant en tout cas. Domergue va essayer à tout prix de rester debout. En tout cas, ça. Wow, le coup de genou sauté. Ça sent splendide, splendide. Et on l'avait dit, hein, dernier round. Là, effectivement. Maintenant, il ne faut pas retomber dans le même piège, là. Gros temps fort pour Quentin Domergue. Il a compris qu'il n'avait plus rien à perdre. Attention, il ne faudrait pas s'enliser au sol pour lui. Hein. Il faudrait essayer de se relever, parce que sinon, il risque d'avoir un renversement, comme sur les deux rounds précédents. Il choisit de rester au sol pour essayer de décrocher le TKO. En tout cas, il ne prend pas la voie d'une soumission. Et dans le rouge, Quentin Arola, il est important maintenant qu'il arrive à canaliser les frappes de Domergue, parce qu'il est franchement puissant. Ouais. Il a gagné deux rounds maintenant. Un renversement de situation serait le bienvenu. Et l'œil tuméfié, marqué, légèrement ouvert, Quentin Arola. On l'a dit, hein, la fin sera héroïque ou dramatique, mais en tout cas, le combat est brave. On a des braves face à face. Et attention, les coups de marteau, les enclumes de Domergue. Là, c'est du survivalisme à ce niveau-là. Ah ouais, non, mais 3 minutes, ça paraît être une éternité pour Quentin Arola. De l'espace pour mieux frapper. Alors là, il a réussi à avoir Domergue dans la garde. Pourquoi ne pas tenter une rubber guard pour canaliser les frappes de Domergue, l'empêcher de frapper? Comme ça, l'arbitre peut éventuellement les faire se relever, ou en tout cas, ça peut créer une opportunité, parce qu'on cherche toujours à sortir d'une rubber. A-t-il la force pour partir, ou sinon sur une soumission peut-être? 30, on arrive au milieu du dernier round. Partir sur une Kimura. Arola, pour l'instant, Domergue défend bien. Bah là, ça l'immobilise. Donc ça annule complètement le jeu de Domergue. Il a bien raison, il gagne du temps à Arola. Ça lui permet aussi de récupérer. D'autant plus qu'il est dans son jeu. Donc j'imagine qu'il tétanisera moins vite que d'autres. Là, en fait, Domergue ne peut pas se permettre de se relever, parce que sinon il se prend une Kimura. Donc... Ah, il est proche de ses limites physiques, Arola. Il a tout donné, il est au bout, mais il continue de se battre. Oh là là, Domergue, il fait peur, il a des frappes lourdes. Allez, encore une minute pour avoir un dénouement heureux pour Arola, peut-être une revanche. Il va peut-être tenter une clé de bras, mais il ne lui laisse pas d'espace, Domergue, pour développer. Attention, attention, pas de frappe. Pas une de plus. On sait qu'une frappe, ça suffit pour Domergue. Il est capable d'éteindre un homme. Ah, il faut le coller. Quentin doit le coller. Enfin, Quentin Arola doit coller Quentin Domergue au maximum. L'empêcher de déployer ses bras. Alors après, tout à l'heure, je parlais de la rubber guard, mais il faut une certaine souplesse aussi pour ça. Oh là là, les frappes sont lourdes. Attention. Oh là 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 là, il en prend trop. Il en prend trop. Quel combat difficile! Mais quelle bravoure! Franchement, c'est un combat. Et le visage de Quentin Arola en témoigne. Hein. Il y a du cœur, il y a de l'abnégation et de la résilience.
Bon bah il a tenu. Incroyable. Il a tenu, je crois qu'il tient sa revanche. Quel combat. Quel combat. Ils ont été au bout de leurs limites physiques. Ouais. Même si au point héroïque. Au point Arola a gagné. En principe, là les deux sur ce combat ont gagné parce que c'était vraiment un magnifique fight. Alors ouais, Quentin Domergue prend le dernier round, je pense. Est-ce que non? Ah oui, oui. Sur, oui, oui. Parce ah, bien sûr. Il a fini de manière très autoritaire. Ah non, non, il prend le dernier round, ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Il y a un down et puis après il mène le round debout. À l'horizontale, il a failli finir en ground and pound. Ouais, il se fait soigner Quentin Arola parce qu'il est un petit peu ouvert à l'œil. Il est tuméfié. Il a une force de frappe Domergue, franchement c'est incroyable. Alors par contre je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop vite quand même. On va voir comment les juges ont jugé le combat. Et bravo à en principe il prend les deux premiers rounds. Alors après, à moins de mettre 18 à Domergue à cause du knockdown et puis de la domination d'après, ça peut faire un match nul éventuellement. En tout cas, bon, c'est une belle guerre. On aura peut-être, si Quentin Arola s'impose aujourd'hui, aura-t-on une trilogie belle. À voir. Mais c'est fatigant au bout d'un moment de rencontrer toujours les mêmes. Ouais, mais pour l'histoire, pour savoir qui est le vrai. Bah, normalement, il faut. Hein. On va voir. On n'est pas sûr du tout du résultat là. À la décision de l'unanimité des juges. Match nul. Ah. Moi, je suis d'accord avec la décision. Ça me semble. Ça, oui, ça pousse. Ouais. Ça dépend. Ça dépend. De quel le dernier round, il est discutable hein, pour moi. C'est-à-dire, on peut mettre un 18. Il y a une grosse domination et le combat a failli finir plusieurs fois. Il y a eu un knockdown. Très clair. Il n'est pas passé loin de la victoire en tout cas, Quentin. Ouais.